Bonjour, bonsoir toutes les amis, tous les collaborateurs faisaient la caille. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou, pour nous porter pour vous, pour nous présenter tout un nouvel pays d'Haïti. Parce que c'est un devoir pour nous capables de faire ça, présenter toutes nouvelles, toutes informations, toute analyse, débat, commentaire, tout ça qui a passé dans la vie nationale là, eh bien, ou même, on a bien chance pour capable de venir ici à sous chaîne Paola, faire la caille. Mais, il y a un grand bagaille pour capable de faire sous pour qu'on fait. C'est abonner ensemble avec Chanel là, activer la cloche là, mettre le sous tout, comme ça, depuis nouvelle là tomber, eh bien, on va venir une notification qui a fait comme ça, et puis, comme ça, on va toujours maintenir informé ensemble avec Chanel Paola, parce que nous là, 24 sur 24, 7 sur 7, dans n'importe moment, quand même, ou bien temps, eh bien, nouvelle après tant nous ici à sous chaîne Paola faisait la caille. Oui, moi c'est Jean-Baptiste, m'a salué nous depuis Hyattsville dans l'État Maryland. Et le dia c'est jeudi 2 juillet. Donc grand point qui censé dominer l'actualité d'abord et président Donald Trump manifester intérêt pour qu'on y a mettre ma sans figure la paraît en public. Il n'hésite pas à la rime pour le faire, même s'il n'y a pas quoi. Il n'y a pas quoi ça font bagaille. Mais à cause de quand il s'appelle cap lancé et quand il s'est COVID-19 là qui actuellement frappé les États-Unis, seulement pour journée mercredi 1er juillet, il y a 50 000 nouveaux cas aux États-Unis. Donc le président Donald Trump, dans la déclaration faite mercredi à tout, il n'y a pas écarté possibilité pour mettre ma sans figure en public. Et ça c'est une autre nouvelle. Gagné tout République Dominicaine à Paris pour faire élection dans fin semaine non, donc c'est dimanche. Et élection ça a, c'est élection gagné pratiquement est-ce qu'on a dit gagné 3 candidats jusqu'à 4 candidats qui sont en tête d'après ce qui fait yo. Il y a possibilité pour que son élection qui fait à un seul coup de clé, ça veut dire que et un candidat a remporté l'élection par un président depuis le premier tour. Et tout comme tout, il a balé dans le deuxième tour. Mais le candidat qui est censé mener, d'après le sondage qui fait en République dominicaine sur l'élection, il y a Luis Abinader, et puis il y a tout, il y a Gonzalo Castillo qui est censé lui-même mener, il y a Leonel Fernandez. Donc il y a 3 candidats qui sont censés dans la course là. Mais il y a possibilité pour que son on sort coup clé ça et un seul monde qui remporte l'élection. Donc moi le candidat qui est censé dans la liste là c'est Luis Abinader, gagné Gonzalo Castillo et puis gagné Leonel Fernandez. Donc 3 candidats ça sont censés dans position pour une là de remporter l'élection ou bien y aller dans le deuxième tour. Donc deux là de probablement pour aller dans le deuxième tour. Donc ça va demander pour gagner une alliance parce que l'élection ça a été déroulé depuis en mai, mais à cause des dégâts qu'on a vu cette affaire dominicaine, responsable était obligé de renvoyer l'élection pour 5 juillet, qui c'est dimanche. Dans l'autre nouvelle, nous parlons dans le pays d'Haïti, et bien d'abord la Banque nationale d'Haïti a prolongé un moratoire qui était bail pour les gens qui ont de la banque COB ou bien encore. Institutions, bien encore entreprises qui doivent la banque COB, eh bien, ils ont prolongé jusqu'à décembre. Donc, c'est seulement intérêt au monde qui va payer, qui n'a pas payé, et ça, c'est le principal là. So, mais, au cap, ils ont toujours payé intérêt, mais seulement, mais j'ai allé seulement l'appliquer pour tout le monde, excepté pour carte de crédit, qui est souvent en carte de crédit ou fonds crédit, eh bien, lui-même, il a appliqué, faut qu'on paye. Et puis, je vais vous donner dernières nouvelles pour nous. Je dis à tout, et magistrats, alors je ne vais pas parler de magistrats, je vais parler de juges qui étaient en grève, et bien grève l'a levé, grève l'a fini depuis hier. Bon, je dis, la raison de faire lever grève là, c'est parce que ils ont été en contact avec dirigeants et dirigeants pour mettre satisfait les revendications. Donc, je dis à tribunal en Haïti, tout tribunal, ils l'ouvrent et ils ont commencé le travail d'après l'annonce que l'autorité a fait. Dans ce sens ça, donc pas de grève encore, bon côté juge, encore tout tribunal a prouvé à partir de jeudi. Le premier vol a été déroulé en Haïti hier, il y a plus de 400 passagers
qui retourne en Haïti. Et ils retournent, mais les autorités ont fait une modification dans la restriction. Mais ça a fait, ils ont demandé à Mounio pour prendre pour adresse sur un téléphone. Et yo, parce qu'il n'est pas nécessaire pour Mounio, pas d'abri en fait, et certificat. Et certificat qui me dit au pas gagné COVID-19 là, certificat négatif, eh bien yo, l'État, autorité qui témoigne à la CAIO, donc il fait ça une sorte de quarantaine domiciliaire, donc il veut la CAIO, il m'a demandé priorité pour pas marcher, à contacter mon à l'info de cité, arrêter là pendant 14 jours. Et yo, bah, yo, bah, on téléphone et autorité pour mettre pour soit visiter mon nom. Et on m'a dit pour mon nom prendre température chaque jour. Et l'air est pour la température qu'il prend. Et si on a une anomalie dans la température, eh bien, laisse ça à une équipe sur place pour aller faire un prélèvement, pour aller si on ne sait pas vu ça qu'il gagne. Si après 14 jours, il n'y a aucun symptôme, eh bien, on a la libre pour l'évacuer dans l'occupation, dans l'activité. Donc ça, c'est... Il y a 4 vols qui sont venus hier. Non, je ne sais pas, par contre, il y a une augmentation. Mais il y a 4 vols qui sont sortis, particulièrement aux États-Unis. Et qui t'aimait les montonnés dans le pays d'Haïti. Ça, c'est pour ça qui concerne l'ouverture pour eux. Mais l'autorité haïtienne, ils disent frontière ouverte tout. Mais nous rappelons que les Dominicains recommencent à activer depuis hier, mais frontière, beaucoup de Dominicains sont toujours fermés. Donc l'autorité promet que tu as de gon en compte, ou bien en compte, et beaucoup de Dominicains pour déterminer qui ça fait avec frontière, avec partie frontière, ils ont gagné à Haïti, et qui est à l'ouvrir. Mais Haïti l'ouvre pas là, mais. Et c'est un repas de gagner parce que les frontières dominicaines toujours été ouvertes, toujours fermées. Donc, les Haïtiens pas capable de sortir en Haïti pour la République dominicaine puisque les frontières sont fermées. Et je crois tout, tout comme tout Dominicain pas capable de venir, sortir, même si ils ont venu en Haïti, beaucoup d'Haïti a ouvert, mais pas de Dominicains fermés. Donc, ce sont les dirigeants de l'État, deux pays doivent travailler ensemble pour connaître qui les Dominicains ont même à l'ouvrir et portion païwa. Donc ça c'est pour l'autre nouvelle là alors. Le premier ministre là, nous connaissons, nous avons parlé de Maïsra, nous parlons de libération, en fait grâce présidentielle, que le président de Sion dit qu'on a été présidentiel pour te libérer. Près de 400 personnes pour te libérer. Et pour des raisons humanitaires ou bien parce que mon été fin puis j'ai peiné, c'est une sorte de grâce que le président a fait. Et pendant des décision sans apprendre, il y a quelques monde qui dans mi-temps secret ou bien dans mi-temps bala qui t'a glissé quelques non monde qui pas doué bénéficier, c'est des monde qui t'a commet crime ou bien t'a fait cal dans prison qui commet crime qui t'a depuis j'ai peiné yo et mon été glissé ben nous connaît ça des font gros tollé au PC c'est office protection citoyen. Et yo même yo te rel en moi yo dit non mais ça va passer pas libérer mon qui commet crime qui même puis j'ai peine yo même n'a libérer yo et cetera ministre justice mettre Likman de lui même te prend à bord il dit non il te travaille avec OPC il te travaille avec barreau avocat tout sous question hein? Monsieur dit non nous pas jamais aucun travail nous pas jamais aucun liste dans main pour travail donc yo pendant démenti avec déclaration ministre justice a te fait. Et il a dit, mais si je suis prendre responsabilité dans la question là, qui est ce monde qui essaie de glisser, on sait de nom dans l'ISA, et le monde qui n'est pas qualifié pour jouer une libération et pour bénéficier de gaz présidentiel ça. Eh bien, et donc, le ministre a dit, le président Jovenel n'a pas grand rien pour le voir ça passer, parce qu'il ne pas connaît. Et l'innocent n'a pas là, c'est un monde qui est malveillant. Donc, le ministre a dit que je ne parle pas pour compte qui monde qui fait ça. Et s'il faut que tu aies même révoqué mon nom, arrêté-le, jugé-le pour ça le commettre là, et puis réarrêter mon cas, ça a bénéficié, et gaz présidentiel là, mettre en prison encore. En tout cas, ça va bien arriver là, parce que Premier ministre Jout, eh bien lui-même, il demande le ministre de la Justice à camper. Sous tout le monde qui a été libéré dans le gaz présidentiel. Mais tout le monde qui a été bénéficié du gaz présidentiel là, eh bien, il m'a demandé pour camper sous toute libération. En attendant, il y a révisé l'ISA encore pour rejoindre ça qui passe. Pour rejoindre le monde qui est dans l'ISA et qui n'est pas doué dans l'ISA. Donc, ça, c'est une décision pour le ministre Jout fait.
li mande ministre justice la mettre Luc Mandelil pour camper sous libération et prisonnier ça qui était bénéficié et gaz présidentiel. Donc c'est mon ne pas libérer encore. Alors si des gens qui est dans libérer pas connait mais en attendant ministre premier ça m'a fait demande là hier et demande ministre justice ça pour pas libérer mon pour camper sous exécution et arrêté présidentiel là qui censé demander pour faire grâce avec près de 400 monde mais il y a une dizaine monde ici pas plus une dizaine monde qui pas qualifié c'est monde qui fait cal en prison c'est monde qui dégain 15 ans soit pour kidnapping pour parce que comme donc on va monde qui fait kidnapping qui a déjà tout monde mais monde ça dans prison depuis j'ai pas et il y a monde même qui pas qui a peine d'aller dans prison et monde ça t'a pas joindre libération suite à un erreur qui est à fait. Mais d'après le ministre de la Justice, l'Assemblée, ou bien même l'organisation, tout dit, c'est le monde qui est dans le dossier, même, qui a révisé le dossier, qui glissait et qui est entré dans sa haut sous liste là. Donc, le ministre de la Justice, il espère qu'on ne va pas du passé, et qu'il va mener une enquête, et qu'il continue à mener enquête. Eh bien, bon. L'autre nouvelle là, c'était la joie. Grande manifestation de joie qui était faite dans la zone Cité de Dieu. Cité de Dieu, c'est l'équipe dans bicentenaire à côté que chaque presque même pas seulement moi, presque. Depuis que le gouvernement mettait une barricade militaire là pour qu'un monsieur qui. Nous savons que le ministre de la Justice a monde qui habitait dans zone 3 jours pour quitter les zones parce qu'il était à l'attaque, les zones pas laissé et mettre sur le monde, il y aurait les bandits. Ah, mais qui est dans la zone là. Eh bien, bon, depuis 3 jours, ça a passé longtemps, et pas aucune action qui fait, mais toujours un groupe militaire qui a une barricade de mettre là, au campé là. Eh bien, hier, c'était la joie, la population soutenant la rue, manifester la contentement tellement qu'ils étaient contents. Pour qu'ils ont été contents, ils étaient contents dans ça qui semblait, groupe ça, groupe armé qui est dans la zone ça, t'as fait alliance avec ça, la Fédération des bandits armés, groupe G9. Fédération, eux, les fédérations des nations, ils font alliance pour ne pas battre entre eux encore. Et bien, le groupe ça lui-même qui est dans la Cité de Dieu, ils ne peuvent pas faire partie de l'alliance. Et bien, hier, il semblait que la population, mon qui vivent dans la zone, a appris à gagner une alliance qui fait entre le groupe G9 là avec le groupe Cité de Dieu. Donc, ça veut dire que les voisins, ils ont l'autre groupe qui est tout près. Donc, ça veut dire que ça veut dire que ils sont contents parce qu'ils disent que nous ne pouvons pas tirer une sur l'autre encore, nous ne pouvons pas plus de liberté pour nous déplacer, etc. Mais c'est un bar qui peut confirmer parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est clair sur l'affaire Alliance. Rappelons que l'Alliance qui fait là, ce n'est pas un désarmement lié, ce n'est pas une déposition d'armes liées. Tout côté, tout le monde a des armes dans la main. Et quand on est dans le groupe G9 là, le cap dirigé là, c'est un ancien membre national là, ancien membre national qui est Jimmy Cherizier, qui est alias Barbecue. Mais c'est lui-même qui est censé porte-parole et groupe là. En attendant, et bon, M. Teba en conférence de presse hier, et là en conférence de presse, malgré que il a un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener contre lui, bon, M. Teba, il dit aux dinègres que pour ça nous mettons un mandat d'amener contre lui, puisque nous comptons côté mieux, maintenant là, il y a tout le temps de tout côté, et il n'y a pas jamais arrêté. Donc, M. Sou, en fait, le ministre a dit pour arrêter M. Mené, M. Vini. Donc, mais en attendant, M. Séli qui porte parole, groupe G9 là, qui c'est un groupe qui réunit plusieurs quartiers côté qui gagnent nègres armés. Et pour ça concerne les commissions désarmement, mais eux-mêmes ils disent que pour eux-mêmes, ce n'est pas un désarmement qui fait, ils n'ont rien à faire ça, vous mais tant que eux-mêmes, ils n'ont pas impliqué dans ce qui a parlé pour désarmer les nègres et réintégrer monsieur dans la société, et même pour eux-mêmes, toute tentative qu'a fait tout bas, ils sont nuls, parce que en principe, l'objectif là, c'est pour désarmement, c'est-à-dire c'est prendre désarmement les nègres, alors que les nègres ont toujours des désarmements, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, n'importe quel capable de passer, un groupe capable de décider, bon, la petite colle dans le groupe là, et la petite amener. Et là, en attendant, le groupe armé, il prend l'évolution qu'on a, nous connaissons au Cap, il y a un groupe Pali, le Sud, il y a un tour, qu'on a fait plateau central là, qui depuis des derniers côtés pas de gain, mais plateau central là, qu'on a une opération à mener, et de temps en temps, et opération à mener, c'est déchirer les monde que yo joint qui dans machine, déchirer yo faire descendre tout ça procéder, gain des cas yo prend machine dans même monde là, gain d'autres cas qui t'est monnaie aller, mais au moins déchirer yo prend l'argent, bijoux, téléphone, tout ça gain. Donc c'est comme ça situation
que lié. Donc, nous, manifestation de joie. On est content, mais jusqu'à présent, pour gagner qui finit clair net, six groupes, six, et groupes ça, qui sortit dans Cité de Dieu, ou bien qui formait alliance avec le groupe Genève là, qui est la fédération des gangs, la fédération gang armée, il y a tout non. Mais pour gagner qui décide exactement, est-ce que c'est vrai que alliance ça a fait. Mais je rappelle que dans une déclaration, Barbecue était fait dans la presse dans le cadre et pour mes sorties en pompe, il était fait dans la zone Matissan, eh bien, il était déclaré que c'était seul groupe ça qui peut rentrer dans l'alliance ça qui fait là. Et mais qu'on y a, il t'a semblé que le groupe là, qu'on y a, le groupe Cité de Dieu, il t'a semblé que fait l'alliance. Alors, Abdou, et l'alliance ça, il y a un groupe qui sortit depuis Cité Soleil, Rive Matissan. Et chaque groupe ça, il est indépendant, il n'y a rien d'idée par eux, et il fonctionne de façon par eux. Depuis dans Cité Soleil, passer dans plage, passer dans Wav Jérémy, descendre en Babi Centenaire net, aller net dans Matissan, Tibois, toute zone ça net, eh bien, groupe ça, et c'est eux qui forment alliance ça. Actuellement, il y a neuf, bon, peut-être qu'il y a une discounia là. Et il y a une parole qui a parlé que le groupe Genève là, tout, il pourrait chercher à faire l'autre alliance avec un autre groupe. C'est le groupe qui est dans la Tibonite là, qui est le groupe Savien. Nous appelons le groupe Savien, et de temps en temps, nous avons ça, mettre des réseaux sociaux qui ont même qu'on couper tête monde, et foncer les bails que, qui seulement fait monde. Ben, mon appel qui a sauté. Mais, eux-mêmes, ils, dans la base à Tibonite, ben, eux-mêmes, ils ont sauté dans l'arrière, ils ont saisi machine pour te la, et rentrer dans sa vie avec eux, et ils ont eu des problèmes là. Donc, il semblait que le groupe ça, qu'on a envie de faire alliance avec le groupe ça. Donc, c'est encore une nourriture pour nous, et on a fait fort mot, une fois qu'on connaît. Pour nous finir, dernier point que je vais partager avec nous, c'est quantité de coronavirus qui est, en Haïti, d'après le ministère de la Santé publique avec la population, il y a 65 nouveaux cas, il y a 2 morts. Donc ça porte le total à 6040 cas qui confirmés en Haïti. Et là-dedans, il y a 107 personnes qui mourent et il y a 1032 qui traités. Et ouais, voilà, il y a 1032 qui traités. Donc c'est comme ça la situation est. Il y a monté les commentaires, c'était très bien. Bon, excepté que je suis capable de tout demander, nous n'avons pas bien joué. Nous avons dit ça, nous besoin. Et l'actualité a toujours dominé avec le décret présidentiel. Et décret président mettait dehors soit fait et code pénal là. Si on décret fait par un pile de lit. En parlant de ça, je tout dit tout. D'après sa porte-parole, un conseiller président, M. Patrick Crispin Dédier, m'a appelé ça. Eh bien, il dit tout, il dit que le pays a pas gagné l'élection. En fin d'année, ça, c'est l'élection législative pour élu les députés et les sénateurs. Donc, ça veut dire toute chambre députée au complet. Si je me trompe, c'est 119 députés, et puis il y a 2 tiers sénateurs qui vont faire l'élection pour eux en fin d'année. Donc, de sorte que l'année prochaine, en janvier ou bien en février, capable de gagner un parlement qui est complet, qui a fonctionné. Mais l'élection présidentielle là, l'a déroulée dans fin année 2021. Et fin année 2021, l'élection présidentielle l'a déroulée ensemble avec l'élection magistrale, l'élection pour poste magistrale. Soit fait le mandat magistrale qui a fini là, 31 juillet qui a fini là, eh bien, élu ça, ils ont déjà divisé. Est-ce que vous voulez rester comme agent intérimaire? A été officiellement depuis le mandat fini, ou tout le monde a été intérimé parce qu'il faut être là jusqu'à ce qu'il y ait une élection pour l'autre monde qui vient en place. Mais il y a tout parmi les magistrats, tout le communal, qui ont même décidé que pas prêté, le mandat fini, il a quitté. Il y a qui ont déjà sollicité et sollicité la Cour supérieure des comptes pour venir faire un audit pour eux. Et il y a l'autre qui dit tout, il n'y a pas prêté, il a prêté. En attendant l'élection déroulée pour que bien yo remplaçant. Donc ça veut dire que donc attendre nous capable gain nouveau cartel que le gouvernement pral nommer, mais c'est des agents intérimaires, pas nommer le magistrat, c'est agents intérimaires yoye, et alors que l'autre groupe qui cap nommé yo, donc gain moun qui cap démissionné carrément ka aller li cap tout cartel là, et tout comme li capable on parti dans cartel là, donc seulement pouvoir la ça la gain professionnellement c'est seulement nommé
ou en plaçant pour compléter cartel dans telle commune, ou bientôt si tout cartel allait, il y en a remplacé parce que chef gouvernement on met le dit même pays a pas qu'à et il va quitter ville vide sans pas un chef là-dedans, donc il y a toujours nos mains un cartel provisoire en attendant déroulement élection. Rappelons, élection magistrale a déroulé dans fin année 2021 ensemble avec l'élection présidentielle là, mais pouvoir déjà décider que élection pour législative yo, pour toute chambre au complet et deux tiers sénat, et bien même élection ça yo y a déroulé et dans fin année 2020. Donc c'est comme ça que décision pour une date qui fixé, mais peut-être comme nous déjà en juillet, donc il pas de prendre trop de temps pour que le conseil électoral provisoire ta, ou bien le président a pris un décret, etc., pour le convoquer le peuple en commun, etc., ou bien le conseil électoral provisoire peut publier date, il a commencé à faire processus et accepter candidature. En attendant, il y a d'autres problèmes qui posent tout, par exemple, problème 4 électoral, qui est les 4 démalogues, ou bien 4 identités uniques. En fait, selon ça que le groupe et compagnie qui a fait 4 jours, bien, on te dit peut-être qu'il y a jusqu'à 50 000 cartes par jour. Alors, on divise quand c'est temps qui gagne, est-ce qu'il y a en fait, quand c'est 4 qui est nécessaire pour l'électeur, pour mon aller dans l'élection. Est-ce qu'il y a en fait li, nous ne pouvons pas mais en attendant le travail là, il y a fait. Moi, c'est Jean-Bertrand qui a salué nous, je remercie nous, et branché sur nous encore parce que Jacques Bézé a venu. Et Pita vient parler avec nous pour venir dire nous qui ça lui même la porte pour dans journal radio sous télévision et quand à moi m'a pas conditionné et cap saluer nous et cap remercier nous qu'elle soit à côté nous hier moi bien content je dis assez je dis on a problème que États-Unis a pareil pour le marquer et fête d'indépendance pays et c'est le 4 donc c'est pas samedi et une célébration que responsable qui habite fait grand pompon. On va en pompe côté toujours puis au fait que les États-Unis toujours marqué et bien année ça il prévoit foncer cérémonie qui pas vraiment représenter ça que l'Amérique a fait les a marqué fait indépendance ça parce que vu que avec coronavirus ça et bien tout le monde fermé on a fait mon côté seulement capable toujours feu d'artifice et moi crois que on pas et si peut-être faire une annonce pour dire que il y a des moyens que pour faire célébrer mais pas faire pour être en pile monde chaque de temps en temps il y a font barrage tant que feu d'artifice etc mais il pas faire pour être en pile monde pour pas en pile monde il y a pas être en pile et c'est des feux d'artifice qui peut cap durer 5 minutes comme ça voilà nous bye bye nous on les m'a parlé de temps en temps il y a venir m'a partager avec nous